comme vous nous avez aidés avec l'équipement et tout, je me demandais si on pouvait parler. C'est sûrement rien, mais je peux pas me permettre de consulter. C'est pas une question d'argent. Il y a plus que ça. En fait, je devrais peut-être pas. Vous êtes un parfait inconnu. Oubliez ce... Vraiment ? À ce point ? Vous voyez, j'aimerais aller chez Reliant Medical pour me faire soigner. Mais mon père, Nathan, est cadre chez Reliant. Je suis venue à Sidonia pour lui échapper. Nathan, c'est pas quelqu'un de bien. Pas pour moi. Il a des relations avec des médecins dans tous les systèmes occupés. Trevor m'a dit que vous savez vous y prendre avec les gens. Mais il faut que vous sachiez qu'il a des amis puissants et dangereux. Si ça marche, je serai libre. Il se trouve qu'il y a une conférence sur Néon à cette période de l'année. Il recevra pas de visiteurs qu'il connaît pas. Je sais. Apportez-lui une bouteille de son whisky préféré, Red Harvest de réserve. Dites, ce whisky est extrêmement rare. Je suis sûre que ça l'intéressera suffisamment pour qu'il vous écoute. Bonne chance. Vous pouvez voir avec Jack à la lance brisée pour le whisky. Et merci infiniment d'avoir accepté de m'aider. Le chantier spatial Deimos. Salut les efforts de ces citoyens pour faire de notre ville un lieu de travail heureux et productif. Merci pour votre contribution quotidienne à notre prospérité. Pas dire que je sois un fan de sensations. Exact, mais vous n'avez pas l'air de pouvoir vous permettre d'en acheter. La dernière fois, c'est le gouverneur Hurst en personne qui est venu. C'était même pas pour le boire. Ok, je vous écoute. Vous savez quoi, je vais vous le donner. Je vais simplement vous demander le prix que je l'ai payé il y a des années. J'espère que vous me faites pas marcher. Thank you.
cinéma. Les renifleurs ont détecté l'horreur que tu avais sur toi à la seconde où t'es passé. Ok. Lève-toi lentement, tourne-toi. Essaie de t'enfuir et on ouvre le feu. Alors, c'était quoi le plan, Richard ? Faire du trafic d'Aurore à Aquila City ou à New Atlantis ? Écoutez, c'est ma réserve personnelle, d'accord ? J'ai juste oublié que je l'avais sur moi, c'est tout. Ça arrive. Allez, on peut pas juste régler ça ici, hein ? Tu peux payer le montant habituel ? C'est pas nous qui fixons les règles, c'est l'administrateur Bayou. Maintenant, ferme-la et avance. Allez, bouge ! Juste au moment où j'avais réussi à inverser le cours des choses. James Newell ferait bien de se méfier. Si vous voyez des calomores... Nos lits sont confortables et abordables. Avec un taux de criminalité... Nous disposons de chambres à un tarif avantageux. Bienvenue à l'hôtel Voli. J'ai le plaisir de vous informer que nos hébergements de luxe sont proposés à un prix plus que raisonnable. C'est la première chose que me disent tous mes clients. Mon hôtel est libre de toute influence administrative. C'est pourtant le cas, pour cela. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Alors, puis-je vous réserver une chambre pour la nuit ? Oh, comme c'est gentil ! Sa fille doit être d'humeur généreuse pour lui faire parvenir un tel cadeau. Monsieur Ovadia se trouve dans sa chambre, au troisième étage. Dormez chez nous. Veuillez faire preuve de courtoisie envers nos clients. J'ai un caisson de prêt pour vous. Une seule nuit ou plusieurs ? N'oubliez pas, nous aurons toujours des chambres exceptionnelles à des prix. Du raid. Alors, faites vite. Ma propre fille m'agresse dans ma demeure. Vole mon vaisseau spatial personnel. Vous pensez vraiment qu'une petite discussion amicale suffira pour arranger les choses ? M'excuser ? C'est elle qui devrait s'excuser pour ce qu'elle m'a fait ! J'ai réagi de façon excessive, j'imagine. Elle était jeune. Rivka est tout ce qu'il me reste de ma femme. Oui, bien sûr, compris. Je ferai n'importe quoi pour que vous me laissiez tranquille.
J'espère que je ne dérange pas. Sidonia est pas si mal. J'ai un travail honnête. Quelques contrats à remplir ici. J'ai parié avec mon superviseur que je pouvais doubler mon quota. Je viens d'apprendre que... les charges retenues contre moi ont été abandonnées. Je doute qu'on en arrive là, mais oui. Heureusement que c'est pas allé jusque-là, mais je suis contente de savoir que cette garantie existe. C'est une bonne chose que ce chapitre de ma vie soit clos. Merci.